Les contes de la chamane. Vous êtes trop sensible et vous aimeriez corriger cela pour votre travail, pour vos amis, pour vos émotions. Eh bien, la médecine de l'eau va répondre à votre demande. On y va ? On y va. C'est l'histoire de Sandrine. Une jeune femme très sensible, mais elle est sensible depuis son enfance. Et alors que d'habitude, en grandissant, comme on dit, on apprend à se contenir, eh bien, elle n'y arrive pas. Sandrine, quand elle rit aux éclats, elle pleure. Quand quelque chose l'émeut, elle pleure. Quand elle se sent aimée, elle pleure. Quand il fait trop beau et que la journée est trop belle, elle s'arrête un instant et elle pleure. Quand elle est triste, bien sûr qu'elle pleure. Mais quand elle voit la misère, elle pleure. Quand son animal la regarde dans un amour inconditionnel, elle pleure. Et même devant une crêpe qui est tellement bonne, elle pleure. Alors son entourage n'en peut plus. Ses parents lui disent « Mais quand c'est que tu vas grandir ?» Et elle, qui veut être infirmière, se trouve dans une situation délicate car on lui dit « Écoute, si tu es trop sensible, Sandrine, tu ne peux pas faire ce métier. Il faudra que tu te blindes. Comment tu pourras supporter autant de souffrances? Tu vas pleurer toute la journée. Tu vas faire des montagnes de Kleenex avec toi. C'est pas possible. » Et son amoureux, des fois, lui dit « Sandrine, écoute, ça va, c'était de l'humour. Ou on est juste bien, t'es pas obligée de pleurer. Stop, s'il te plaît. » Mais Sandrine, chaque fois qu'elle a une émotion, chaque fois qu'elle sent, elle pleure. Alors, un jour où elle était tellement triste, elle est descendue à la plage puisqu'ils habitaient au bord de l'eau. Et c'était un soir de pleine lune. Qu'est-ce qui peut se passer ce soir-là? Eh bien, comme dans toutes les histoires de chamanes, quand la pleine lune est là, la chamane n'est pas loin. Et donc, elle marchait auprès de l'eau et elle se mit à pleurer, pensant à toutes ces voix, tous ces gens qui lui disaient « Fais quelque chose, prends du recul, tu es trop empathique. » Elle a lu plein de noms dans les revues, comme quoi il fallait qu'elle apprenne, sinon elle ne survivrait pas à ce monde. Et ses larmes coulent et rejoignent la mer. Et tout d'un coup, elle entend « Waouh, super, j'adore le goût des eaux qui sortent de tes yeux. » Mais qui parle ? La mer, voyons, je suis la mer. Et d'habitude, j'ai des gouttes de pluie, mais là, wow, des gouttes d'un être humain. Tu m'aimerais, Sandrine ? Oh, bien sûr que je t'aime, la mer. Mais qu'est-ce que je raconte ? Je suis en train de parler avec qui, là, la mer ? Mon Dieu, non seulement je suis sensible, mais maintenant je vais être aussi un peu folle. Là, j'ai vraiment des problèmes. Peut-être que je fais, qu'est-ce qu'ils disent, une dépression. Je ne sais pas comment ils disent, les gens qui pleurent tout le temps. Et puis tout d'un coup, la mère lui dit, hey, c'est super quelqu'un qui pleure. Regarde, et tout, une grande vague apparaît. Et cette vague se transforme en une vieille femme qui marche vers elle. Waouh, j'ai un problème. Là, elle ne pleure pas. Ses yeux sont secs, son corps est tendu. Elle a du mal à respirer, elle ne sait plus où elle est. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Hey, Sandrine, c'est moi, ton ancêtre. Non, je ne crois pas que vous soyez mon ancêtre, je ne crois pas ce que je vois. Il faut absolument que je rentre à la maison. C'est drôle, là je pleure absolument pas. Tiens, dans la peur, on ne pleure pas, c'est bizarre. Hey, oh, c'est moi, je suis de ta lignée. Tu es mon arrière-arrière-arrière petite fille, je ne sais plus combien. Non, mais chez nous, il n'y a pas de lignée, vous savez. Je suis juste au bord de la plage ou en train de dormir. J'ai compris. Avec vous, quand vous pensez que vous dormez, vous pouvez en faire réfléchir. C'est vrai que vous n'avez qu'une seule réalité, mon Dieu. À mon époque, on pouvait voyager, pas vous. Alors, tu as des problèmes d'eau, c'est pour ça que tu m'as appelé. Ah non, mais je ne vous ai pas appelé. Ah non, vous pouvez repartir. Là, vous me faites vraiment peur. Non, non, allez, on arrête. Allez. Comment vous les appelez-vous, l'ange gardien? Je suis un ange gardien, ça te va mieux? Oui, les anges gardiens, j'ai déjà vu une émission, il y a des anges gardiens, j'avais jamais essayé de l'appeler, alors vous êtes un ange gardien. Ah oui, là ça passe, je sais pas pourquoi les anges ça passe. Non mais chaman c'est bien aussi, tu sais. Non, bon, d'accord, ok. Alors, tu as des problèmes d'eau? Non, j'ai pas des problèmes d'eau, j'ai pas besoin d'un plombier. Non, je parle de l'eau de ton âme, bien sûr. Oui, je suis trop sensible. Je coule l'eau et je peux pas l'arrêter. C'est comme si elle venait toute seule, elle vivait en moi. Bah écoute, 80% de ton corps est fait d'eau.
Et cette eau, en plus, elle a la mémoire du monde. Ah oui, je connais, moi, je me soigne qu'avec l'homéopathie. Donc, tu crois à la mémoire? Oh, magnifique! Eh bien, figure-toi que cette eau, elle est là depuis que le monde est monde, celle qui te compose. Puisqu'il n'y a pas une goutte d'eau de plus dans l'univers qu'au début. Alors, tu vois, tu me connais, en fait, si tu écoutais ton nom. Je comprends pas trop ce que vous dites là. J'ai juste très très peur alors que j'étais malheureuse. Et c'est pas plus confortable. Mais pourquoi tu étais malheureuse? Peux-tu me raconter? Oui, bien sûr. Bien. En fait, quand je suis heureuse, je pleure. Et quand je suis triste, je pleure. Et quand je suis émerveillée, je pleure. Et quand c'est beau, je pleure. Et quand c'est tendre, je pleure. Enfin bref, j'ai toujours quelques larmes. Ah, t'as quelques larmes du cœur qui dansent avec toi tout le temps? Oui, c'est ça. Mais vous savez, les gens appellent pas ça les larmes du cœur, hein. Ils appellent ça que je suis trop sensible et peut-être que je pourrais pas faire le métier que je rêve de faire. Ah ouais? Tu voudrais être quoi? Infirmière. Mais, ah, c'est pareil que je suis trop sensible. Même mon amoureux, des fois, il me dit arrête, c'est trop. Vous voyez, là, les autres commencent à me mettre un peu dans la case handicapée. Vous voyez? Ah, 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 ah. Ce monde est fou. Ce monde est fou. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour toi. Allez, assieds-toi. Regarde-moi. Non, non, mais laissez-moi là, tout va bien. Assieds-toi et tu me regardes. Et je t'amène au Japon. Et elle plonge dans les yeux de cette femme qui sont tellement brillants. Et boum, elle se retrouve dans un endroit bizarre. Il y a des écrans partout avec des bacs remplis d'eau et plein de fils qui dépassent. Et il y a des choses bizarres sur ces écrans. Alors, la chamane lui dit, regarde, mais je suis où? Vous m'avez amené. Ah non, c'est vrai, je suis dans un rêve, je suis dans un rêve, je suis dans un rêve. Très bien, tu es dans un rêve. Tu vois, tu pleures toujours pas. Vraiment, la peur, ça fait pas pleurer. Donc, regarde les écrans. Tu vois, là, je vais te faire écouter ce qu'ils entendent. Là. C'est quoi? Oh, c'est du Mozart, je le connais. Non, vous allez voir, je vais... Et voyez, rien que c'est quelques notes de musique, déjà, je pleure, mais regarde sur l'écran. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, c'est magnifique! Mais... Oh. Et là, elle pleure, elle ne dit plus rien. Elle laisse l'eau couler parce que les molécules d'eau sont des vrais flocons de neige. Ils sont aussi beaux, taillés, chacun différent et tellement merveilleux. Mon Dieu, que c'est beau! Et regarde à côté. Et à côté, c'est un son où les bombes tombent sur une ville et envoient l'eau qui se rétracte et devient un pic. Et puis à côté, elle voit une eau qui est ronde, qui fait comme des ballons qui grossissent et puis ils sont gros. Qu'est-ce que c'est là? C'est quoi qu'elle entend l'eau? Elle entend la chanson du cœur d'une maman. Ah ouais. Alors ça veut dire que ce qui nous entoure joue sur notre eau et qu'à l'intérieur de nous, l'eau danse. Oui. Et c'est pour ça que parfois, quand on est très sensible et qu'on sent la vibration des choses, des émotions, de la beauté du monde ou de son horreur, eh bien, notre corps fait 80% d'eau, se met à bouger. Alors plus tu es ouverte avec ton corps, plus il bouge, tu comprends. Et donc, il faut que tu comprennes la médecine que je vais te proposer. Quand tu sens ton corps bouger, ça veut dire que tu es vivant. Ça veut dire que tu es connecté au monde. Eh bien, il faut que tu entendes une chose. Champagne! Qu'est-ce que tu racontes? Champagne! Vous avez inventé cette bouteille. Quand on la secoue, ça déborde. Eh bien, quand la vie te secoue, tu débordes. Mais chez nous, chez les chamans, on dit, quand la vie te fait danser, tu débordes. Et alors? Quand tu as peur, elle te fige. Alors bien sûr que tu ne débordes pas, tu deviens de la glace à l'intérieur. Mais quand la vie t'émeut, quand la vie te trouble, quand la vie te travaille dans ses douleurs et ses épreuves, eh bien, tu danses, ma fille, tu danses. Tu es tout simplement du champagne. Et je veux que tu entendes ça. Chaque fois qu'on te dit t'es trop sensible, pense, je suis du champagne. Ah, j'adore cette image. C'est vrai que si je me pense en champagne, alors je suis quelqu'un qui a la fête de la vie en elle. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça. Et tout d'un coup, elle se retrouve sur la plage.
Et pourtant, ses pieds, tout d'un coup, sont caressés par la mer. Elle sent qu'elle est bien là, qu'elle ne rêve pas. Que s'est-il passé? Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre? Elle sent juste qu'à l'intérieur d'elle, il y a des bulles et elle se dit « Champagne !» Et là, des larmes coulent, mais pour une fois, elle les reçoit avec une joie incroyable. Et très loin, à l'horizon, il y a un écho qui vient « Champagne !» Super. Alors elle rentre à la maison. Elle voit son compagnon qui visionne un film avec un grand sourire, le chien sur les genoux, et cette image l'émeut et quelques larmes coulent. Pas beaucoup, un petit peu. Elle l'aime tellement. Alors lui, tout d'un coup, sentant sa présence, se retourne et dit « Mais ça va, tu pleures ?» C'est du champagne. « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ?»« Oui, j'ai compris. Tu vois, j'adore la vie. Qu'il fasse gris, qu'il fasse beau, qu'il y ait du tonnerre ou de la brise, je danse avec la vie. » Et je changerai pas. Alors, est-ce que tu crois que tu pourras vivre avec quelqu'un si je te dis que je suis comme du champagne? La vie me secoue et je pleure. C'est tout. Est-ce que tu crois que tu pourras m'aimer? Si je pense que chaque fois que je vois des larmes dans tes yeux, c'est le champagne qui se débouche, alors tu es l'ivresse de ma vie, mon amour. Ouais, c'est ça. Je suis ivre de vie. Je t'aime. Je t'aime. Et le lendemain, elle va à son stage d'infirmière. Et elle rentre dans une chambre où la jeune femme vient juste de mourir. La mère et la sœur sont là. Elle s'approche et elle pleure. En mettant la main sur l'épaule de la mère. Et la fille, du coup, vient près d'elle et elle la prend dans ses bras. Et toutes les trois pleurent quand le médecin arrive. Il regarde la scène, ne dit rien, mais elle sent que son regard se fige en voyant ses larmes couler. Et en fin de matinée, alors qu'elle a fait d'autres chambres, bien sûr, il l'appelle dans son bureau et lui dit « Mademoiselle, vous ne pouvez plus faire ce métier, ce n'est pas possible, il faut que vous changiez de voix, vous êtes beaucoup trop sensible. Les parents attendent de nous que nous soyons des piliers, que nous soyons forts, et vous vous effondrez avec eux, bientôt ils devront s'occuper de vous. » « Non, monsieur, je ne m'effondre pas. Je partage leur tristesse et je laisse couler l'eau qui va avec. Mais si vous m'aviez vu de chambre après, j'ai pleuré de joie avec les parents quand on a appris que le petit Rémi n'avait pas de cancer. Oui, monsieur. » Mes larmes coulent et accompagnent les moments de ma vie. Mais je sais nager, je ne me noie pas. Voyez-vous, je suis très sensible et c'est peut-être pour ça que les patients m'aimeront. Parce que moi, je n'ai pas peur de pleurer quand je souffre, de rire et de pleurer quand je suis trop dans la joie, parce que ce n'est que de l'eau. Et c'est ma façon à moi d'être au monde. Le médecin fut étonné parce que là, il n'y avait pas une goutte d'eau. Cette personne était déterminée. Elle était puissante. Et son interrogation lui donna le goût de voir la suite. Et c'est ainsi qu'elle obtient son diplôme et fut conviée à former quelques infirmières. Pas à la gestion de leurs émotions, à l'acceptation de l'émotion comme juste une respiration de la vie. Et plus tard, elle créa vraiment, vraiment une technique, puisqu'on aime les appeler ainsi. Elle ramena les gens au corps qui en était coupé depuis tant d'années. On ne peut pas vivre avec une seule tête. Mais quand le corps réapparaît, alors la vibration du monde permet d'avoir d'autres façons d'y vivre. Cette vibration conduit les actions, les pensées, le rapport à la nature, le rapport à l'autre, d'une façon très différente. Et un jour, alors qu'il y avait beaucoup de monde, qu'elle sortait de l'hôpital, elle avait une formation intéressante, elle se retrouvait à côté de sa voiture, toute contente, elle regardait le soleil et elle entendit « Alors, ce champagne, comment va-t-il ?
Et là, elle sourit. Elle sentit la chamane derrière elle. Elle lui dit, tout va bien. Oui, ma fille, tout va bien. Tu peux bientôt devenir chamane. Je t'attends pour ta prochaine initiation. Et voilà l'histoire. Allez, devenez du champagne. Le monde partira en fête si vous faites cela. Au revoir.